Récédemment dans Paper Pot Who. Poivrière, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes en train de passer un portail vers un univers reconstitué. Que faire? Il faut activer le processus BBC. Le quoi? L'interrupteur à ta gauche. Regarde, Nazi Multif de Nessie. Génial, maintenant on dirait vraiment juste un bout de carton avec des gommettes dessus. Mais bon, au moins on sait qu'on n'est pas ici par hasard. Un artefact? Le dernier artefact, Fumas. Celui qui permettra de retrouver mon père, le docteur. Mais il faut faire vite. Le processus BBC nous a préservés pour l'instant, mais pour combien de temps? Mais préservés de quoi? Nes diminutif de Nessie, si nous ne faisons pas vite, nous allons nous fondre dans ce monde et devenir des dessins hideux et mal animés comme le machin là-bas. Un truc! Un truc! Conduisez-les au soleil suprême! Un truc! Un truc! Un truc! Un truc! Pour cela, vous serez salés. Mais avant, vous nous donnerez votre secret pour rejoindre votre dimension afin que des salés puissent conquérir votre univers comme ils ont conquis celui-ci. Nous salés? Une mort qui paraît particulièrement lente et désagréable. Salek suprême. Alors, non. Non? Oui, non, j'ai bien peur que tout cela ne soit pas possible. Alors vous serez salés plus vite que prévu. Salés-en. Faites quelque chose. Ma brosse sonique. Faites quelque chose d'efficace. Par ici. J'ai artefact Shada. Partons d'ici. Mais comment? Nous sommes cernés. Bien joué. Rien de tel que l'eau pour dissoudre les gros têtes sèches. Et le papier. Par ici. Direction Tourcoing. Qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, partir à la recherche de mon père, j'imagine. Maintenant que j'ai récupéré le baby d'Alec, les deux pop, et puis le DVD documentaire sur la prison de Shada, ça devrait plutôt être une tâche aisée. Eh bien, au revoir alors, poivrière. Au revoir, Nest tout court. Bon, passons aux choses sérieuses. Mais quelle mouche a bien pu piquer Ness? Et que va devenir la poivrière, abandonnée dans les sombres rues de Tourcoing? À vous de nous le dire dans les réseaux sociaux pour tenter de remporter le DVD documentaire sur la prison de Shada. Oui, oui, enfin le DVD de l'épisode Shada, quoi. Mais c'est qui payait pour écrire ce truc-là, là?